Pour Emploi Québec, la formation professionnelle et technique est d'une très grande importance, car elle répond à un besoin grandissant de main-d'œuvre des entreprises de la région. Un des enjeux majeurs pour le Centre local de développement au cœur de la Montérégie est de valoriser les métiers, la diplomation et la formation afin d'améliorer le recrutement et la rétention de main-d'œuvre. Quoi de plus naturel qu'un bon jus bien frais pour étancher sa soif? Vous êtes-vous déjà demandé comment votre jus préféré s'est retrouvé dans son contenant? Connaissez-vous toutes les opérations nécessaires à la fabrication d'un produit alimentaire? Au cours des prochaines minutes, nous découvrirons ensemble plusieurs des métiers qui se cachent derrière des produits que nous consommons à tous les jours. L'industrie de la transformation alimentaire, c'est une foule de défis quotidiens qui commencent avec le développement d'une recette jusqu'à la livraison du produit à l'épicerie. Avec près de 2000 emplois dans la MRC de Rouville, le domaine de la transformation alimentaire est un monde très innovateur, créatif, rempli d'action et qui présente de belles opportunités d'emploi. Dans les instants qui suivent, nous serons des témoins privilégiés de l'enthousiasme et de la détermination qui animent l'équipe d'une entreprise qui fait l'orgueil du Québec, une entreprise de Rougemont, au cœur de la Montérégie, les industries La Sonde. Le tout commence par une analyse des habitudes de consommation et des grandes tendances des divers marchés. Que boivent les gens? À quelles occasions? À quelle fréquence? Et surtout, pourquoi? Quel est l'impact des nouvelles découvertes en termes de nutrition, de saveur et de conservation? Comme vous pouvez le constater, à chaque fois que vous avez à choisir un produit pour étancher votre soif, la concurrence est féroce. Pour gagner ou conserver des parts de marché, il faut des marques fortes qui retiennent l'attention des consommateurs. Or, le gardien de la marque dans une entreprise est le département du marketing, et plus particulièrement, le ou la chef de produit. Moi, ce qui m'allume le plus comme chef de marque, c'est que les journées sont jamais, jamais routinières, dépendamment du produit ou du projet sur lequel on travaille. Cette fonction demande une grande curiosité, un esprit entrepreneur, beaucoup de créativité et de bonnes qualités de communication. Mon poste de gardienne de chef de marque consiste à mettre en place des tactiques, que ce soit de la publicité télé, de la radio, de la promotion en magasin. En plus de veiller à ce que les marques restent fortes, la responsabilité du chef de produit est aussi d'être à l'affût des tendances du marché en créant des produits novateurs. On est toujours très fiers quand on va faire son épicerie puis qu'on retrouve un jus, un produit sur lequel on a travaillé, puis ce, autant à Montréal que quand on va à Vancouver. Donc, c'est une raison d'être très fier du travail qu'on fait. Une fois que le concept d'une amélioration de produit ou de développement d'un nouveau produit est accepté, les experts en recherche et développement entrent en jeu. Ce sont eux qui doivent relever le défi de créer une recette gagnante. Ils doivent jumeler les notions de goût, de texture, de couleur et de qualité nutritive pour répondre aux attentes élevées des consommateurs. C'est aussi à leur talent que l'on fait appel pour évaluer la performance et les caractéristiques des produits concurrents. Les membres de l'équipe, techniciens de laboratoire, partagent donc un sens de la rigueur et de la précision. Moi, qu'est-ce qui me passionne dans mon métier? Ce travail-là m'amène à travailler avec beaucoup d'autres personnes de beaucoup d'autres départements. J'apprends beaucoup. À tous les jours, presque, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Il n'y a presque pas de fin à toutes les choses qu'on peut apprendre sur ce métier-là. Les compétences requises pour faire de la recherche et développement, la première idée qui me vient, c'est la créativité. Parce qu'il faut toujours aller au-delà des produits qui existent sur le marché. Il faut travailler en équipe. Ça, c'est essentiel aussi, avoir un bon esprit d'équipe, parce que ça ne se fait pas toute seule développer des produits. Il y a toute une équipe en arrière de ça. Suit l'étape de l'acquisition des matières premières. On entre maintenant dans le domaine des acheteurs. Pour ce qui est des fruits et des extraits, le défi est de composer avec les caprices de Dame Nature. Qu'il fasse trop chaud ou trop froid, qu'il y ait trop ou pas assez de soleil, la température vient influencer et peut changer radicalement la disponibilité, la qualité et le prix des matières premières. Il faut aussi commander les divers contenants et tout le matériel nécessaire à l'expédition. En plus,
Il faut souvent les faire venir des quatre coins du monde pour qu'ils soient sur place au moment précis où ils seront nécessaires. Il s'agit d'un casse-tête complexe qui exige un talent de négociation, de l'entre-gens pour maintenir un bon réseau de contacts et une bonne capacité à gérer le stress. Il faut aussi être en mesure de répondre rapidement à des imprévus. Plus je suis dans ce métier-là, plus j'apprends et plus j'adore ça. Je peux exploiter vraiment la communication, la négociation. Je dois aller aussi dans différents pays, que ce soit en Argentine, Chili. Chaque jour, il y a des choses qui changent, autant des informations qui rentrent, qu'on doit traiter. On doit travailler aussi avec les gens de recherche et développement, contrôle de qualité. On travaille beaucoup en collaboration avec ces gens-là et aussi avec les fournisseurs partout sur la planète. C'est vraiment très intéressant. Une fois que tous les ingrédients sont rassemblés, on passe à l'étape de la production. C'est l'étape la plus spectaculaire par l'ampleur et la diversité de la machinerie. L'équipement doit être prêt à répondre aux demandes des consommateurs à tout moment. Voilà pourquoi le rôle des électromécaniciens, des opérateurs de ligne et des préposés à l'entretien est si important. Sans eux, toute cette technologie de pointe s'arrête et l'entreprise n'est pas en mesure de remplir les commandes de ses clients, ouvrant ainsi une porte à la concurrence. C'est tout un défi au quotidien. Ce que j'aime le plus dans mon travail, personnellement, répondre aux calls de service, aux appels de service, ça permet de stimuler au présent tes connaissances pour donner un service rapide pour pouvoir redémarrer la ligne de production. Ce qui m'a amené à choisir le métier d'électromécanicien, c'est la diversité des métiers que ça englobe. C'est un nouveau métier qui rejoint la mécanique, l'électricité, la soudure, l'hydraulique, la plomberie. Les qualités requises pour exercer le métier d'électromécanicien, je dirais en premier lieu la polyvalence, parce que ça englobe plusieurs métiers. La patience, la persévérance aussi, quand on a des appels de service et qu'on ne trouve pas la solution tout de suite, il ne faut pas lâcher parce que la production attend après nous autres. Maintenant que le jus est en boîte, il s'agit de vérifier que le produit final respecte la recette et rencontre les normes de qualité les plus strictes. On parle ici de tolérance zéro. Les experts en contrôle de la qualité entrent donc en scène. Ce sont eux qui ont le dernier mot et qui autorisent le produit pour la vente. Le produit ayant reçu le feu vert du contrôle de la qualité doit être ensuite préparé pour l'expédition. Une équipe dynamique entre alors en action. Le produit est systématiquement emballé dans du matériel en mesure de le protéger lors du transport et est entreposé de façon sécuritaire. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est la diversité de tâches qu'on a à accomplir. On rentre le matin, je sais que je vais transporter des palettes de marchandises, je sais que je vais serrer ça dans des racks ou dans des vannes. Mais je ne sais pas la quantité, l'importance aussi de chaque palette, parce qu'il y a des palettes plus dispendieuses que d'autres, donc ça rajoute un challenge un peu plus. Il faut faire plus attention à certaines palettes. Donc on est toujours constamment sollicité par l'adrénaline, par la concentration. Ça demande justement beaucoup d'attention. Finalement, le produit est expédié vers les nombreux points de vente. La mondialisation a fait bondir la demande de spécialistes en logistique du transport. Il s'agit d'un travail non routinier et dynamique où la résolution de problèmes à distance fait partie du quotidien. Quels moyens de transport utiliser? Quels documents préparer? Y a-t-il des frontières à franchir nécessitant un dédouanement? Autant de questions auxquelles l'expert en logistique doit apporter une réponse. C'est un des travaux dans lequel il n'y a absolument aucune routine. Même si c'est toujours les mêmes camions, les mêmes chauffeurs, les mêmes produits, les mêmes palettes, il se passe des situations innombrables, différentes, qui demandent une réponse immédiate où c'est aucune routine. Les journées commencent et se terminent aussitôt. Aucune routine. C'est ce que j'adore dans mon travail. Alors moi, j'ai poursuivi mes études au niveau universitaire tout simplement parce qu'au niveau logistique, ça m'a donné
de plus grandes possibilités de carrière dans de plus grands nombres d'entreprises, d'entreprises à plus grande taille. L'éventail de possibilités était beaucoup plus élevé avec des études plus poussées, tout simplement. On peut quand même très bien faire une carrière logistique au niveau premier et deuxième niveau avec un cégep, mais j'ai voulu aller plus loin. C'est le représentant qui veille à ce que le produit soit disponible là et quand vous le voulez. Le directeur de compte, allié principal du représentant, négocie avec les diverses chaînes de dépanneurs et d'épiceries pour déterminer les variétés qui seront disponibles en magasin, l'emplacement qu'elles occuperont, le prix de détail suggéré, ainsi que les promotions qui viendront encourager la vente en cours d'année. Le représentant a quant à lui la charge d'exécuter en magasin la stratégie de commercialisation. C'est une profession motivante pour les personnes qui aiment travailler avec le public, exploiter un réseau de contacts et gagner la confiance de leurs clients. Pour faire mon métier, les qualités requises, selon moi, sont un grand sens d'organisation, beaucoup de planification, ainsi qu'une très grande autonomie. Ce qui est très important, c'est d'être à l'écoute du client, ses besoins, et de bien servir. Comme nous venons de le voir, ce geste apparemment anodin cache une foule d'opérations et des équipes aux talents multiples, composées de gens qui sont souvent nos voisins. Pour ce qui est des exigences académiques pour un emploi dans l'industrie alimentaire, c'est très varié. Si on part des emplois comme opérateur de chariot-élévateur ou opérateur de production, les exigences de base, on demande un secondaire 5. Pour ce qui est des postes qui exigent comme un diplôme d'études professionnelles, les électromécaniciens, une exigence de base là, pour ce type de poste-là. Il y a aussi un diplôme d'études professionnelles en vente conseil qui existe. Donc, pour quelqu'un qui aspire à un poste de représentation, ça peut être une très bonne option aussi là, pour poursuivre ses études. Pour ce qui est des postes qui demandent des études techniques, donc un diplôme d'études collégiales, il y a notamment les postes de technicien en laboratoire. Il y a aussi, au niveau de la logistique, au niveau des achats, il peut y avoir des études collégiales là, qui se donnent pour obtenir ce genre de poste-là, ainsi que pour les laboratoires, par exemple, en recherche et développement. Alors, pour ce qui est des emplois qui demandent un niveau d'études universitaires, on parle notamment du chef de marque. Les ressources humaines sont aussi un département là, qui requiert des études universitaires. Il y a aussi des bacs si on veut poursuivre des études au niveau de la logistique, au niveau des achats, de l'approvisionnement ou bien même au niveau de la représentation et des ventes. Ça dépend toujours des ambitions de carrière. Vous rêvez d'une carrière d'électromécanicien, d'opérateur en usine, de technicien de laboratoire, d'expert en logistique ou encore d'un poste en administration ou en vente et marketing? Les nombreuses entreprises du domaine de la transformation alimentaire de la MRC Rouville sont des milieux dynamiques et stimulants à découvrir. Une trentaine d'entreprises y regroupent près de 2000 emplois, soit la moitié des emplois du secteur manufacturier. Il s'agit donc d'un créneau très important dans la région, une industrie dynamique et innovante, axée sur les besoins des consommateurs et qui offre des aliments savoureux et de qualité. Un milieu où votre curiosité, votre créativité, votre sens de l'initiative et votre esprit d'équipe seront mis à contribution. Vous avez la soif de réussir? Raison de plus pour persévérer et compléter vos études. À vous de jouer!